Oh les clopes! Tu vous faites quoi avec tout ça là? C'est à moi, je vous ai acheté. Ah, regarde tout ce qu'il y a. Ah ouais là. Bon. Yann! Vous avez deux tickets, monsieur. Bon. Après, je comprends que voilà, pour des clopes, pour une quinzaine de cartouches, oui, c'est vrai que le tabac maintenant actuellement il est très cher en France. Et une consommation que j'ai récupérée aussi en Marseille de 2 grammes. Voilà. Je suis consommateur à la base. Donc voilà. On me met en garde à vue pour ça. Donc on vous arrête pour le clignotant, monsieur. Clignotant? Non, pour tourner là, du rond-point sur la droite, vous n'avez pas le clignotant. Désolé. Vous déportez, pas de clignotant. Ok, donc vous savez que... Est-ce que vous êtes connu, les agents de police? Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter? Pour l'alcoolémie. Pour l'alcoolémie? Vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui ou pas? Non, pas du tout. Pas d'alcool? Non, pas du tout, pas du tout, vous pouvez. Ok, pas de souci. Vous n'êtes pas connu ni pour l'alcool ni pour les cheveux? Non, pour l'alcoolémie, oui. Pour l'alcoolémie, mais ça fait longtemps. J'ai mis 12 points, j'ai perdu 3 points la dernière fois pour un téléphone, mais voilà, c'est tout. D'accord, ok. Bah, c'est bien la personne. C'est bien la personne. On attend la bague pour faire des recherches plus approfondies, parce que nous on peut pas fouiller, la bague est arrivée. Oh les clopes! Tu vous faites quoi avec tout ça là? C'est à moi, je vous ai acheté. Regarde tout ce qu'il y a. Ah ouais là. Bon. Yann! Vous avez deux tickets, monsieur. Bonjour. Je suis le major Dint, OPJ du service. Monsieur, je vous en prie. Pas de soucis. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai acheté ça. D'accord. Voilà. Vous n'avez que ça comme marchandise? C'est ça, j'ai acheté ça. Bah, du coup, les officiers de la BAC ont découvert en ouvrant le véhicule que il y a de la marchandise de contrebande, à savoir il y a une vingtaine de cartouches de cigarettes, voilà, de contrebande. Du coup, il va devoir expliquer un peu tout ça, puis ils vont approfondir les recherches pour voir si on trouve pas d'autres choses. Nous, il y a des choses qui nous intéressent également, donc maintenant on va approfondir la recherche. Bon monsieur, on va regarder un petit peu votre voiture. Vous m'avez dit que vous n'avez rien d'autre? Non. D'accord. Nous déclare qu'il a acheté ça en contrebande à Marseille. Est-ce qu'on prend les douanes directes ou est-ce qu'on peut garder sur nous? Hein, on peut passer en garde à vue, nous. Et surtout que... Ouais, bon, allez, on va faire comme ça. Je vais placer en garde à vue. Hein, et je vais passer en garde à vue, on va partir en perquise dans la foulée. 1000 euros. Je devais en acheter plus et voilà, il y a 1020 euros, exactement. Tenez. Vous avez retiré. Non, il a encaissé. Non, j'ai pas encaissé du tout. Ah non, pas du tout. Si je devais acheter plus de cigarettes et en fait, le mec à Marseille, il m'en a eu avec ça. Votre famille ou un employeur? Il y a de la coque. Ah bah. Je suis consommateur, désolé. Vous en avez consommé là? Non, pas du tout. Ok. C'est quoi? C'est deux pochons de coke? Ouais, voilà. Je suis consommateur, désolé. C'est une sacrée consommation ça? Il y a combien de grammes là? 2 grammes. 3 grammes, 4 grammes? Non, 2 grammes, il y a 2 grammes. Il y a 2 grammes, je suis consommateur, désolé. Bon, donc vous êtes placé en garde à vue pour détention de produits de contrebande et. Garde à vue carrément? Pourquoi garde à vue? Et détention de produits stupéfiants. Est-ce que vous voulez aviser un membre de votre famille ou un employeur, oui, sachant sûr. Que je m'y opposerai et que je demanderai au procureur de surseoir à cet avis? Pièce d'identité, fermez la sacoche. D'accord, je vais m'organiser. Maintenant, vous retournez s'il vous plaît. Allez. On va attendre le chien. Voilà, tranquillos. Voilà, monsieur. Au niveau de des produits stupéfiants. Après, je comprends que voilà, pour des clopes. Pour une quinzaine de cartouches, oui, c'est vrai que le tabac maintenant actuellement il est très cher en France. Et une consommation que j'ai récupérée aussi en Marseille de 2 grammes. Voilà. Je suis consommateur à la base. Donc voilà. Et on me met en garde à vue pour ça. C'est une convocation, d'accord, mais une garde à vue carrément c'est un peu exagéré. Cigarettes, actuellement elles sont à 5 euros le paquet sur Marseille. J'ai acheté une quinzaine de cartouches actuellement en fait. Donc ça coûte 10 euros le paquet, bah voilà la cartouche. J'ai acheté, c'est vrai que j'en ai acheté une quinzaine. Désolé. Non, est-ce que vous avez des stupéfiants sur vous? Non, mais le reste, on va pas se mentir. On vous fait le test, vous êtes positif. C'est peut-être possible, oui, mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, non, je n'ai pas pris. C'est une garde à vue quand même, c'est un peu exagéré quand même pour 2 grammes. Mais c'est de la contrebande, monsieur. Ça reste interdit. Je comprends après, je peux comprendre. On va d'acheter des
illégal. Nous, on paye, les gens qui fument, ils payent le paquet 10 euros. Lui, il a dû acheter le paquet 4 ou 5 euros. 5 euros ? 5 euros. Lui, il doit les revendre 7 euros, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça ? Ouais, ouais. Non, je ne suis pas trompé. Donc, il se fait un petit bénéfice sur chaque cartouche.